Buenos días, familia. Bonjour, famille. Dios me los bendiga. Que Dieu vous bénisse. Qué bueno es volver a encontrarnos hoy domingo. Et c'est vraiment bon de pouvoir se retrouver aujourd'hui, dimanche. Juntos como familia. Ensemble en tant que famille. Como iglesia. En tant qu'église. Para rendirle honor y gloria. Pour rendre honneur et gloire. A quien realmente merece honor y gloria. À celui qui réellement mérite l'honneur et la gloire. Nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Reciban nuestros saludos. Recevez notre salut. Todos aquellos que se estén conectando hoy. À tous ceux qui se connectent aujourd'hui. Y aquellos que por medio de nuestras redes sociales o más adelante se conectarán. Et ceux qui plus tard pourront se connecter à travers nos réseaux sociaux. Les queremos. On vous aime fort et vous nous manquez. Vamos a dar comienzo a la palabra de hoy. On va donner commencement à la parole d'aujourd'hui. ¿Saben? Hoy quiero compartir con ustedes. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous no solamente una palabra hoy, pas seulement une parole pour aujourd'hui, sino que lo que hemos recibido, mi esposa y yo, mais ce que nous avons reçu, mon épouse et moi. Vamos a tratar de hacerlo en dos, tres o cuatro domingos. On va essayer de le faire pendant deux, trois ou peut-être quatre dimanches. El tiempo que dure. Mais le temps que ça dure. Porque entendemos y creemos. Parce que on comprend et nous croyons. Que pueden ser de bendición para nuestras vidas. Que ça peut être de bénédiction pour notre vie. Saben, a esta serie. Alors vous savez, à cette série. Hemos puesto por título. On a mis comme titre. Disciplinas liberadoras. Des disciplines libératrices. Disciplinas que nos liberan. Des disciplines qui nous libèrent. Saben, hoy queremos. Et vous savez, aujourd'hui, nous voulons commencer con un primer versículo. Avec un premier verset. Que es de donde arranca todo esto. Et c'est de là où tout cela démarre. Saben, en Efesios 5:27. Alors, dans Ephésiens 5:27. Yo lo voy a leer en español. Je vais le lire en espagnol. Si usted quiere, búsquelo en su Biblia, si no en las pantallas lo tendrá en francés. Cherchez-le si vous voulez dans votre Bible et sur les écrans vous les aurez en français. Dice así. Alors il est écrit. Afin de presentárselas a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Wow. Wow. Con este versículo, avec ce verset, ya empezamos a tener un conflicto existencial. On commence déjà à avoir un conflit existentiel. Porque el Señor Jesucristo, parce que le Seigneur Jésus-Christ, dice en su palabra, nous dit dans sa parole, que él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Qu'il vient pour une église sans tache, sans rides, santa, qui est sainte. Pero realmente, mais réellement, en nuestra vida, dans notre vie, anda muy lejos de ser real. C'est vraiment très loin d'être réel. Saben, tú y yo como cristianos, et tu sais, toi et moi en tant que no chrétiens, somos personas, nous ne sommes pas des personnes que andan por el mundo en el aire, sin propósito, sin motivo en nuestras vidas. Qui marchent dans le monde, dans l'air, sans but, sans motivation précise dans notre vie. Saben, por medio de Jesucristo, et vous savez, à travers Jésus-Christ, Él nos ha sacado de esa circunstancia. Il nous a sortis de cette circonstance. Él nos sacó de esa vana manera de vivir. Il nous a sortis de cette vaine façon de Él vivre. Nos liberó de las tinieblas. Il nous a libérés des ténèbres. Él nos sacó de esa oscuridad. Il nous a sortis de cette obscurité. Y nos llevó a la luz admirable. Et il nous a emmenés vers la lumière Eso admirable. Fue lo que hizo Jesucristo. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a Quiere fait. Decir Ça veut dire que, ahora, tú y yo que maintenant, toi et moi, formamos parte nous faisons partie de un gran plan de Dios, d'un grand plan de Dieu, de una agenda que Dios tenía, d'un agenda que Dieu avait para poder sumergirnos pour pouvoir être submergé en un mundo infinito, dans un monde infini de posibilidades, de possibilités, de verdades, de vérités, de promesas, de promesses, de palabras en la Biblia, de paroles dans la Bible que son liberadoras. Qui libère y apuntan hacia una eternidad gloriosa. Et qui pointe vers une éternité wow. glorieuse. Pero qué quiere decir esto de una eternidad gloriosa? Wow, mais qu'est-ce que ça veut dire ça éternité Porque glorieuse? Porque yo a veces ando por el mundo. Parce que parfois je sors dans le monde. Desganado. Sans motivación. Vengo a la iglesia apático. Je viens à l'église apathiquement. Sin propósito. Sans de propos. Vivo mi vida igualmente así, no solamente mi vida cristiana, sino la vida que me toca vivir. Je vis ma vie comme ça, pas seulement la vie chrétienne, mais la vie que je vis tous les jours. Quiero alcanzar cosas y no lo logro. J'ai envie d'atteindre des choses et j'arrive pas à les atteindre. Y viene la Biblia a decirme que voy a vivir en una eternidad gloriosa. Et donc la Bible vient me dire que moi je vais vivre dans Pero, une éternité glorieuse. ¿Qué quiere decir esa eternidad gloriosa? Mais qu'est-ce que veut dire cette éternité Esto glorieuse? Nos habla a nosotros. Alors ça, qu'est-ce que ça de nous que dit? Viviremos, c'est qu'on vivra. Acuérdense que estamos hablando de la eternidad. Rappelez-vous, on parle d'éternité. Pero voy a poner un paréntesis. Mais je vais mettre une parenthèse. Que más adelante responderemos. Qu'on répondra plus en avant. Viviremos. On vivra.
Una vida futura, une vie future, perfecta, parfaite, sin muerte, sans mort, sin enfermedades, sans maladie, sin pobreza, sans pauvreté, sin violencia, sans violence, sin contienda, sans dispute, sin dudas, sans doute, sin conflictos, sans conflit, sin guerras en el mundo, sans guerre dans sin le monde, hambres, sans faim, sin pestes, sans peste. ¿Saben esa eternidad gloriosa? Et vous savez cette éternité como glorieuse, lo describe la Biblia, comme nous le décrit la Bible, comparándola con mi vida, en la comparant avec comparándola ma vie, con mi quotidianidad. Si je la compare avec mon quotidien. Familia, comparándolas con el mundo hoy en día. Famille, en la comparant au monde aujourd'hui. Se vuelve una utopía. Ça devient une utopie. A veces esa eternidad gloriosa que el Señor nos promete. Parfois cette éternité glorieuse que le Seigneur nous promet. Se ve lejano. On la voit très lointaine. Inalcanzable. On la voit comme si on pouvait se pas l'atteindre. Se distorsiona el panorama. Et le panorama devient flou. ¿O es que realmente tú y yo podemos tener la certeza? Ou alors est-ce que toi et moi on peut avoir réellement la certitude, la conviction de que algún día, que un jour, familia, tú y yo, famille, toi et moi, espero que tú y yo juntos, j'espère que toi et moi ensemble, podamos ver hecha esta realidad, on puisse voir cette réalité de esta declaración bíblica, de cette déclaration biblique de tal magnitud, d'une telle magnitude. ¿Saben, el domingo pasado, vous savez, dimanche estuvimos dernier, compartiendo, on a partagé que nosotros estábamos en el corazón de Dios, que nous étions dans le cœur de desde Dieu, antes de la fundación del mundo, même avant la création du monde, y a causa de errores, de pecado del ser humano, et à cause des erreurs, du péché de l'être humain, fue echado fuera del paraíso. Il a été jeté pero du paradis. Vimos como el Señor siempre daba y da y dará siempre el primer paso. Mais on a vu comment le Seigneur a donné, il donne et il donnera toujours le premier pas. Por medio de la circuncisión. À travers la circoncisión. El Señor nos dio la salvación en Cristo Jesús. Le Seigneur nous a donné le salut en Christ Jésus. El Señor nos dio la redención. Il nous a donné la rédemption. La justificación. La justificación. El Señor nos dio la vida eterna. Le Seigneur nous a donné la vie éternelle. El perdón de nuestros pecados. Le pardon de la limpieza de nuestras vidas et rendre propre nos vies. El Señor, le Seigneur, circuncidó nuestro corazón, a circoncis notre cœur, para que en la posición, pour que dans la position, nosotros vivamos en esa eternidad gloriosa, on puisse vivre dans cette éternité glorieuse. Pero, mais, en la actualidad, dans l'actualité, yo no lo estoy viviendo, je ne la vis pas. Pero la Biblia dice, mais la Bible dit, que Cristo Jesús, que Cristo Jesús, que nuestro Dios glorioso, que notre Dieu glorieux, el Todopoderoso, le Tout Puissant, es la puerta para entrar en esa eternidad gloriosa. Il est la porte pour entrer dans cette éternité glorieuse. O sea que ya vamos a comenzar viendo. Alors là on commence à voir. Estamos viendo ya en la Biblia. Et on commence à voir dans la Bible. Pequeñas pistas. Des petites pistes. De cómo llegar a alcanzar a vivir una vida liberada. De comment réussir à vivre une vie libérée. Pero. Mais. ¿Y ahora qué hago? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Sí, Jesucristo entró en mi corazón. Oui, Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Él me aceptó como su hijo. Il m'a accepté comme son fils. Él me dio la potestad de ser hecho hijo de él. Il m'a donné la puissance d'être son fils. ¿Y ahora qué hago? Et maintenant, qu'est-ce que je ¿Y fais? ¿Y ahora qué? Et maintenant, quoi? Porque todavía en la experiencia. Parce que là, dans l'expérience. Vivimos en un mundo lleno de pecado. On vit encore dans un monde rempli de péché. Que nos lleva a una realidad que es paralela a esa luz admirable. Qui nous emmène à une réalité qui est parallèle à cette lumière admirable. Por la cual Jesucristo tuvo que morir y padecer en la cruz. Pour laquelle Jésus-Christ a dû mourir et souffrir sur la croix. ¿Saben? Sería vana la muerte de Jesucristo. Et vous savez, la mort de Jésus-Christ serait vaine. Si yo me quedara en esta circunstancia. Si moi je reste dans cette circonstance. Si yo me conformara en esta situación. Si moi je me conforme dans cette situation. Y ahora yo me preguntaría. Et maintenant je me poserai la question. Y ahorita viene en mi mente una pregunta. Là dans ma tête j'ai une question. ¿Y yo qué? Et moi quoi? ¿Qué tengo que ver yo en todo esto? Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? ¿Por qué estoy metido en ese paralelismo? Pourquoi est-ce que je suis dans ce parallélisme? ¿Saben qué tanto de la palabra de Dios? Qu'est-ce que autant la parole de Dieu es una experiencia viva en mi vida. À quel point, pardon, la parole de Dieu est une expérience vive? Es solamente letra muerta. Est-ce que c'est juste des lettres mortes? O realmente experiencia, vivencia. Ou réellement une expérience, vida, un vécu. Espíritu Santo. De la vie, le Saint-Esprit. ¿Qué tanto se ha convertido en mí una utopía esta frase que yo siempre digo en la iglesia? À quel point est-ce que cette phrase que je dis toujours dans l'église est devenue une utopie pour moi?
Repite conmigo. Y répète avec moi. La vida cristiana es fácil. La vie chrétienne est facile. La vida cristiana es fácil, hermano. La vie chrétienne est facile. No hay otra manera de verlo. Il n'y a pas une autre façon de le ¿saben? Voir. Saben, es una experiencia. Vous savez, c'est une expérience. Donde tú y yo, où toi et moi, deberíamos entender. On devrait comprendre. Que mi vida está escondida en manos de Cristo. Que ma vie est cachée entre les mains de Christ. Que mi vida está guardada en él. Que ma vie est entre ses mains. Que sus promesas, que ses promesses, son fáciles, sont faciles, son vivibles, son vivables, solo en Cristo. Saben, pero a veces, mais vous savez, des fois, eso se vuelve tormento en mis oídos. Ça devient une tempête dans mes yo oreilles. Sé que cada domingo que lo digo, je sais qu'à chaque fois que je le dis les dimanches, en cada momento que tengo oportunidad que lo proclamo, à chaque fois où j'ai l'opportunité de le dire, familia les revela un secreto. Famille, je vous révèle un secret. Hasta mí mismo, même moi-même. A veces me produce picazón en los oídos. Des fois, ça me donne des démangeaisons dans les me oreilles. Me trae problema. Ça me donne des problèmes. Porque no logro vivir esa vida fácil. Parce que je n'arrive pas à vivre cette vie facile. Pero tengo que hacerlo por convicción. Mais je dois le faire pour conviction. ¿Saben? Llegar a una iglesia gloriosa sin manchas y arrugas. Et vous savez, arriver à être une église glorieuse sans taches et sans rides. Así como lo declara en ese versículo. Tout comme c'est déclaré dans ce verset. Yo quiero saber si es para el presente. Moi, je veux savoir si c'est pour le présent. Para el futuro próximo. Pour le futur prochain. Para una eternidad. Pour une éternité. Es una realidad en mi vida. Si c'est une réalité dans ma vie. Porque de manchas. Parce que de taches. Familia, tengo muchas. J'en ai beaucoup. Arrugas, des rides. Hermano, estoy como dice la canción de este Jesús Adrián Romero. Mes frères, je suis comme la chanson de Jesús Adrián Romero. Que cansado del camino. Qui fatigué du chemin. Sediento de ti. En ayant faim de toi. Dice que mi armadura está desgastada, está destruida. Et cette chanson nous dit que mon armure, elle n'a plus ses forces, elle cansado. Est détruite. Elle est fatiguée. Pero el Señor me promete. Mais le Seigneur me promet. Algo que parece utópico. Quelque chose qui semble utopique. Una vida gloriosa eterna. Une vie glorieuse et éternelle. ¿Sabe cuando nos confrontamos a este diario vivir? Et vous savez quand on se confronte à ce quotidien. Empezando por el hecho de tener que levantarme ya desde madrugada. En commençant par le fait que je dois me lever très tôt le matin. Como dice David, anticipándome al alba. Comme dit David, en m'anticipant para à l'aube, buscar al Señor, pour chercher le Seigneur, para tener comunión con Dios, pour avoir une communion avec familia, Dieu, cual yo no veo ni siento, à Dieu que je ne vois pas et que je ne a veces sens pas. Estoy en mi cama, parfois je suis de dans madrugada, mon lit, très tôt le matin, y a conciencia. Et on ne va pas se mentir. Secreto entre nosotros, Javier, Daniela. Un secret entre nous, Javier, Daniela, et que personne ne nous entende. Pero a veces nos sentimos como tontos. Mais des fois, on a l'impression d'être bête. À qui est-ce que je parle? No consigo retorno. Je trouve pas de retour. Realmente no entro en esa profundidad que me dice esa canción. Et je ne rentre pas dans cette profondeur. En ese río de agua viva. Dans cette rivière d'eau vive. Sumergirme en él. Et vraiment me submerger en lui. Para que cuando ya tenga que enfrentarme a esta circunstancia. Pour que une fois que je dois m'affronter à cette circonstance. Dans mon quotidien. Yo pueda salir airoso. Je puisse en sortir. Yo pueda caminar, Señor, como vencedor. Je puisse marcher comme un vainqueur. Saben, yo a veces me tengo que comenzar cada mañana a confrontarme con mi mente, con mis pensamientos. Et vous savez, moi chaque matin, je dois me lever et confronter ma tête et mes pensées. Porque estos están totalmente lejanos. Parce qu'ils sont totalement lointains. A la realidad bíblica. À la réalité biblique. Lejanos. Loin. A todo lo bueno. À tout ce qui est bon. A todo lo agradable. À tout ce qui est agréable. A todo lo que es perfecto. À tout ce qui est parfait. Yo ya de mañana comienzo a pensar mal. Moi, dès le matin, je commence à penser comienzo mal. A criticar. Je commence à critiquer. Comienzo a juzgar. Je commence à juger. Y comienzo a vivir. Et je commence à vivre. De una manera. D'une façon. De confrontación. De confrontación. Saben, en mi interior hay una prisión. Vous savez, dans mon intérieur, estoy il y a une prison. Estoy prisionero de mí mismo. Je suis prisonnier de moi-même. Así como dice el título. Tout comme nous dit le titre. Disciplines que nos liberan. Des disciplines qui nous libèrent. Desde mis prisiones. Depuis mes prisons. Saben, cuando nos enfrentamos a una palabra. Vous savez, quand on s'affronte à une parole. O más bien. Como dijimos también hace unos domingos atrás. Plutôt comme on a dit certains dimanches en arrière. Cuando nos confrontamos a ese verbo. Quand on se confronte à ce verbe. A ese verbo que debe ser la unión que nos amalgama.
à ce verbe qui doit être l'union qui nous a malléables. Entre yo y las consecuencias. Entre moi et les conséquences. Yo debería vivir conjugándolo diariamente. Je devrais vivre en conjuguant ce verbe pero quotidiennement. Mais se levanta en mi vida. Il se lève dans ma vie. Un poderoso Goliath. Un puissant Goliath. Un poderoso gigante. Un puissant géant. Alguien que estorba. Quelqu'un qui vient empêcher. Alguien que tiene cerradas las puertas de mis celdas. Quelqu'un qui a les portes fermées. Que se llama la obediencia. Qui s'appelle l'obéissance. Saben, yo empiezo a ponerme rebelde. Et vous savez, je commence à être rebelle. A mí la palabra. Et moi la parole. Realmente me importa muy poco. M'importe très peu. Porque ya estoy metido allá adentro. Parce que je suis déjà à l'intérieur. Y vivo conforme. Et je vis conforme. Y a veces hasta confortable. Et parfois même confortable. Porque no tengo que confrontarme con el mundo. Parce que je dois pas me confronter avec le monde. Ahí es donde yo comienzo a entrar en un dilema. Et c'est là où je commence à rentrer dans un dilemme. Me comienzo a preguntar. Je commence à me demander. Saben, gracias a la conferencia del pastor Claudio. Et vous savez, Dieu merci, la conférence wow. du pasteur Claudio. Ser o no ser. Alors wow, être ou parece ne pas être. Parece una pregunta boba. On dirait une question bête. Pero muy profunda. Mais qui est très profonde. O tal vez a lo mejor. Ou peut-être. Podríamos decir. On pourrait dire. Es o no es. Est-ce que c'est ou est-ce que ce n'est realmente, pas yo no sé si soy o no soy. Je ne sais pas réellement si je suis realmente ou si soy je ne suis hijo pas. De Dios. Je suis réellement enfant de Dieu. Realmente soy cristiano. Je suis réellement chrétien. Realmente soy iglesia. Est-ce que je suis réellement l'église. Realmente soy alguien que el poder de Dios mora en mí. Est-ce que je suis réellement quelqu'un dont le pouvoir de Dieu habite en lui. Porque todo lo que es. Parce que tout ce qui est. Y debería ser. Et devrait être. No es. N'est pas. Y no es. Il n'est pas. Y no lo vivo. Et je ne le vis pas. Y ese dilema. Et ce dilemme. Se ha vuelto en un calvario en mi vida. Est devenu un calvaire dans ma vie. Saben, la palabra de Dios. Et vous savez, la parole de Dieu. Por medio del Espíritu Santo. À travers le Saint-Esprit. Debe ser aplicable. Doit être applicable. Debe ser practicable en Elle mi doit vida. Être praticable Debe dans ser ma vie. Una realidad cotidiana. Elle doit être une réalité quotidienne. ¿Saben? Ese futuro eterno. Vous savez, ce futur éternel. No puede ser una utopía. Ça ne peut pas être une utopie. Y si no es una utopía. Et si ce n'est pas une utopie. Quiere decir que se convirtió en una distopía. Ça veut dire que ça s'est converti en une dystopie. En una deformación de lo que realmente el Señor quiere darnos. En une déformation que le Seigneur veut réellement nous donner. Una distopía horrenda. Une dystopie lamentable. Épouvantable, pardon. Donde la lucha entre la verdad de Dios y mi experiencia. Où la lutte entre la vérité de Dieu et mon expérience. Diaria con la carne, quotidienne avec la chair, me llevan a vivir de derrota en derrota, m'emmène à vivre d'échec en échec, de tragedia en tragedia, de tragédie en tragédie. Voy caminando sin sentido, je marche sans sens, sin rumbo, sans direction, sin horizonte, sans horizon, sin saber, sans savoir, sin propósito, sans but, donde realmente, où réellement. Se me presenta la confusión. Il y a cette confusion. ¿Cuál es ese reino que ese famoso Mesías? El Cristo me está dando o me está diciendo que debo de vivir en mi vida. Quel est ce royaume que le Messie est en train de me donner ou de me présenter que je dois réellement vivre dans ma vie? Hay un problema aquí, hermanos. Et là, il y a un problème, mes frères. La Biblia dice muchas cosas. La Bible dit beaucoup de choses. Pero yo no las vivo. Mais moi, je ne les dis pas. La Biblia dice muchas cosas. La Bible dit beaucoup de choses. Pero yo no las veo. Mais je ne les vois pas. La Biblia dice muchas cosas. La Bible dit beaucoup de choses. Pero yo no las siento. Mais moi, je ne les sens pas. La Biblia dice muchas cosas. La Bible dit beaucoup de choses. Pero yo no las creo. Mais moi, je ne les crois pas. Entonces, alors, ¿dónde está la clave? Où est la clé? ¿Dónde está la respuesta? Où est la réponse? A esta gran pregunta. À cette grande question. ¿Qué debo de hacer? Qu'est-ce que je dois ¿Dónde faire? ¿Dónde debo de ir? Où est-ce que je dois aller? ¿Quién soy? Qui suis-je? ¿Cómo debo de hacerlo? Comment est-ce que je dois le faire? Porque realmente hay algo que estamos haciendo mal. Parce qu'il y a réellement quelque chose que nous faisons mal. Si seguimos con las conferencias y los estudios que hemos hecho. Si on continue avec les conférences, les études qu'on a réalisées. ¿Acaso podremos llegar tú y yo a una respuesta? Est-ce que toi et moi on pourrait arriver à une réponse? Tomando una herramienta para el estudio bíblico. En prenant un outil pour l'étude biblique. Que dice, se llama la hermenéutica. Qui s'appelle l'herméneutique et que qui dice dit que la Biblia. Que la Bible. Se responde a sí mismo. Se répond elle-même. Y esa es la que nos tiene que traer la iluminación, la revelación y es la que nos tiene que dar el deslumbramiento de todo esto. Et c'est elle-même qui doit nous donner l'illumination, qui doit enlever toutes ténèbres et qui doit vraiment éclaircir les choses. Y quiere decir, et ça veut dire que solamente a través de la palabra, qu'il n'y a seulement qu'à travers la parole, de una manera correcta, d'une façon correcte, es la manera donde yo puedo ver aclarado en mí.
C'est la façon dont je peux voir de manière claire en moi cómo puedo vivir cada una de estas vivencias, comment je peux vivre chacune de ces vécus, de ces réalités, verdades, de ces vérités que se presentan en mi vida diaria, qui se présentent dans ma vie quotidienne y que pueda volverse liberador para mí, et que ça puisse devenir libérateur que pour yo moi, pueda romper esas cadenas. Que je puisse rompre Fíjate, ces chaînes. Regarde. Aquí hay unas cadenas que nos mantienen atados a nosotros. Ici, il y a des chaînes qui nous maintiennent attachés. Hay una cárcel mental espiritual, no espiritual, porque Cristo Jesús hizo la obra. Il y a une prison mental et pas spirituel parce que spirituellement Christ a fait l'œuvre. Mais dans notre âme et dans notre corps qui est en train de nous empêcher de comment vivre réellement une vie pleine en Jésus. Agárrense. Et tenez-vous una vida cristiana fácil. Une vie chrétienne facile. ¿Saben? Vous savez, saber quién soy, savoir qui je suis, es importante para mi vida. C'est important pour ma vie. Porque solo así, parce qu'il n'y a que comme ça, voy a saber qué debo de hacer. Où je vais savoir qu'est-ce que je dois faire. Si yo no tengo conocimiento primeramente de quién soy en Cristo Jesús, si je n'ai pas de connaissance premièrement de qui est Christ Jésus, ¿qué dice la Biblia con respecto a mí? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à yo moi? Yo nunca voy a saber realmente qué es lo que tengo que hacer. Alors je vais jamais savoir qu'est-ce que je dois faire. ¿Qué espera Dios de mí? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? ¿Qué espera la iglesia de mí? Qu'est-ce que l'église attend de ¿Qué moi? ¿Qué espera el mundo de mí? Qu'est-ce que le monde attend de moi? ¿Qué espera mi familia de mí? Qu'est-ce que attend ma famille de es moi? Es importante saber quién soy. Et c'est important de savoir qui je suis. Que no sea una frase trillada. Que ce soit pas juste une phrase répétée. Que el mundo utiliza. Que le monde utilise. Para motivarnos. Pour nous motiver. Para introducirnos en las soluciones ideológicas. Pour nous introduire dans des solutions idéologiques. Basadas en herramientas de la psicología moderna, basé sur des outils de la psychologie moderne, que jamás van a llegar a la raíz verdaderamente profunda, qui vont jamais arriver à l'origine réelle et profonde, y que nos hacen vivir en una superficialidad, et qui nous font vivre dans une superficialité, y en una vida aparentemente de éxito, et dans une vie qui en apparence peut être une vie de succès, pero llena de frustración, mais remplie de frustration, y de vanas esperanzas, et de vaines espoirs, que más tarde que temprano, qui tôt ou tard van a hundirnos vont vraiment nous noyer dans une profonde dépression. Si nosotros no nos cimentamos en la verdadera identidad de Cristo, si nous on se cimente pas dans la véritable vérité de Christ, si nosotros no permitimos que la palabra de Dios sea la que marque huella en nosotros, si on permet pas que ce soit la parole de Dieu qui marque une empreinte en nous, tarde que temprano, tôt ou tard, vas a manifestar frustración en tu vida. Tu vas manifester des frustrations dans y ta aún, vie. Desprecio por la palabra del Señor. Et même du mépris pour la parole de Porque Dieu. Porque hemos llegado con un pensamiento que nos han dado desde que nos compartieron de Cristo. Parce qu'on est là avec une pensée qu'on nous a partagée depuis qu'on est avec Christ. Que todo iba a ser fácil. Où tout allait être facile. Que todo iba a ser sencillo. Où tout allait être simple. Saben, no lo busquen, hay un versículo en la Biblia que dice. Et ne cherchez pas, mais il y a un verset dans la Bible qui dit. Creo que es segunda de Tesalonicenses, si no me equivoco. Je crois que c'est dans 2 Thessaloniciens si je me trompe pas. O primera, no me acuerdo. Ou première. Creo que es primera. Je crois que c'est première. De modo que si alguno está en Cristo, que si quelqu'un est en Christ, nueva criatura, c'est une nouvelle créature. Es. C'est une nouvelle créature. Wow. Quiere decir, ça veut dire que toda mi frustración, que toute ma frustration debería acabarse, devrait s'arrêter en el momento, au moment que tú y yo, où toi et moi, estando en Cristo, en étant en Christ, nos volvemos nuevas criaturas. On devient une nouvelle créature. Pero saben, necesitamos, mais vous savez, nous avons que esos besoin conceptos profundos, que ces concepts profonds, que esa declaración poderosa, que cette déclaration puissante y determinante de la vida, et déterminante de la vie, pueda ser referencia y diferencia en mi vida. Puisse être référence et faire aussi une différence dans Así ma vie. Como lo hizo Dios con Moisés. Tout comme Dieu l'a fait avec Moïse. ¿Sabe? Moisés tenía ese mismo problema que tú y yo. Et vous savez, Moïse avait ce même problème que El toi Señor et moi. Tuvo que contactar a Moisés. Le Seigneur a dû contacter Moïse. Porque él tenía un propósito. Parce qu'il avait un but. Un gran propósito. Un grand propos. ¿Se acuerdan que al principio hablé de una agenda? Vous vous souvenez au début, j'ai parlé d'un agenda. Dios tiene su agenda y él la va a cumplir sí o sí. Dieu a son agenda et il va l'accomplir oui et oui. Contigo. Et avec toi, sin ti, sans toi, y a pesar de ti, et malgré toi, los planes y los propósitos de Dios, les plans et les propos de son Dieu incambiables. Sont inchangeables. Los planes y propósitos de Dios, les plans et les buts de Dieu sont no se transitan, no se negocian, perdón. Ils ne se négocient pas.
No hay transacción posible con Dios. Il n'y a pas de transaction possible avec Dieu. El Señor tenía el plan con ellos. Le Seigneur avait le plan avec eux. Con su pueblo. Avec son peuple. Pero uno especial con Moisés. Mais un spécial avec Moïse. Y sí se tuvo que acercar a Moisés. Et il a dû s'approcher à Moïse. Y tuvo que decirle. Et il a dû lui dire. En Éxodo 3:14. Dans Exode 3:14, si on peut le chercher, s'il vous plaît. Yo soy. Je suis. ¿Saben el Señor cuando se le presenta a Moisés? Vous savez, le Seigneur, quand il se présente à Moïse, y lo vemos desde el capítulo 3, et on le voit dès le chapitre 3, él estaba tranquilo en el versículo 1 apacentando las ovejas. Il était dès le verset 1 tranquille en train de paître les brebis. Decir que Moisés, il pouvait dire que Moïse, el mismo Moisés podía decir que él era pastor de oveja. Le même Moïse pouvait dire yo que soy c'était pastor de oveja. Un pasteur de brebis, et je suis un pasteur de brebis. Pero el Señor, mais le Seigneur manda a Moisés, envoie Moïse a que vaya donde Faraón, à ce qu'il aille vers le Pharaon, wow, a liberar a su pueblo. Wow, à libérer son el peuple. Señor te manda a ti, et le Seigneur te envoie, toi, a mí, moi, a liberar a un pueblo, à libérer un que peuple está sumiso en la esclavitud y en las tinieblas, qui est soumis à l'esclavage des ténèbres. El Señor nos manda a ti, a mí, le Seigneur nous envoie, toi et moi, a proclamar el evangelio, à proclamer l'évangile. El Señor nos manda a ti, a mí, le Seigneur nous envoie, toi et moi, a luchar contra esos gigantes, à lutter contre ces géants, que el más principal de todo es la desobediencia hacia Dios, dont le principal c'est l'obéissance envers Dieu, la désobéissance, pardon, la que causó todo este problema, la rebelión que ha causé todo ce problème, y decirle al mundo, et dire au monde, que hay una manera nueva de vivir, qu'il y a une nouvelle façon de vivre. Pero cuando el Señor se lo planteó a Moisés, mais quand le Seigneur l'a donné à Moïse, a Pino, a Daniela, a Javier, a Claudio, a Sebastián, póngale el nombre que usted quiera, et mettez-y le prénom que vous voulez. Moisés le dice, Moïse lui dit, Señor, mais Seigneur, ¿quién soy yo? Qui suis-je? Para que yo haga eso. Pour faire ça. ¿Saben? Eso se lo dice él en el versículo, creo que 10-11. Et ça, il lui dit dans le verset 10-11, je crois. Él comienza a discutir con Dios. Il commence à discuter avec Dieu. Comienza a buscar las excusas. Il commence à sortir les excuses. Porque él está viviendo también en esa misma prisión donde tú y yo hoy estamos. Parce qu'il était en train de vivre cette même prison dont on se trouve toi et moi maintenant. ¿Quién soy yo? Qui suis-je, moi? Tú y yo nos preguntamos quiénes somos nosotros. Toi et moi on se demande mais qui est-ce que nous sommes? Pequeña iglesia minúscula. De quelle église minuscule? Insignificante. Insignifiante. Como un grano de arena en el mar. Comme une petite graine como de sable. Como un grano de polvo cósmico. Comme un grain de poussière cosmique. Para que hagamos una diferencia aquí en Francia. Pour qu'on fasse une différence ici en France. Porque no sabemos lo que la gente vaya a preguntar sobre nosotros. Parce qu'on sait pas ce que les gens vont demander sur nous. Pero si la gente van a preguntar sobre el Dios que le estamos presentando. Mais les gens, oui, ils vont demander sur le Dieu qu'on est en train de les présenter. Y el Señor le preguntó a Moisés. Et le Seigneur a demandé à Moïse. Perdón, Moisés le pregunta al Señor. Pardon, Moïse demande le au Seigneur. Digo? Qu'est-ce que je lui dis? ¿Cuál es tu nombre? Quel est ton nom? ¿Quién me envía? Qui m'envoie? Y vuelve otra vez el Señor tan maravilloso. Et encore une fois le Seigneur vraiment merveilleusement. Aplomado. Aplomé. Con su buena identidad bien puesta. Avec son identité bien placée. Le dice, dile a ese pueblo. Il dit, dis à ce peuple. Que yo soy. Que je suis. Me envió. Qu'il m'a envoyé. Imagínate cuando Moisés le dice al pueblo, mira, yo soy, te envió. Imaginez-vous quand Moïse va dire au peuple, le je suis m'a envoyé. Sí, pero ¿quién eres tú? Oui, mais qui es-tu? Yo soy Moisés. Je suis Moïse. Pero no acabas de decir que yo soy, te envió. Mais tu viens pas de dire que je suis, sí, t'a envoyé. Sí, pero yo soy. Oui, mais je suis. M'envió. Il m'a envoyé. Pero esta vez el Señor le dice, mais cette fois le Seigneur lui dit, yo soy Jehová. Je suis l'Éternel. ¿Saben, Jehová? Vous savez, l'Éternel. Nosotros lo leemos Jehová y lo pronunciamos Jehová. On le lit, Jehová, et on le prononce Jehová. En el Antiguo Testamento. Dans l'Ancien Testament. En el Hebreo. Dans l'Hébreu. No hay vocales. Il n'y a pas de vocale. YHWH. C'est YHWH. Il n'y a pas de voyelle, pardon. No hay manera de pronunciarlo. Il n'y a pas façon de le prononcer. Significa. Ça veut dire. Esa expresión. Cette expression. Que es la forma que él representa como verbo. Qu'il est la forme qu'il représente comme verbe. Y quiere decir que él fue, es y será. Et ça veut dire qu'il a été, qu'il est et qu'il sera. Él es el Dios. Il est le Dieu. Él es el yo soy. Il est le je suis. Él es el Jehová. Il est Jehová. Fíjate que una definición de ser. Et regarde, une définition de être. Es en el lenguaje español. Dans le langage espagnol, c'est. Afirmar lo que el sujeto, perdón, es decir el sujeto lo que afirma el atributo. C'est que le sujet
disent ce qu'affirme l'attribut. Es su naturaleza o esencia. C'est une nature ou une essence. Pero lo que vemos aquí, ce qu'on voit ici, que el Señor no se conforma a nuestros conocimientos del mundo, c'est que le Seigneur ne se conforme pas à nos connaissances du monde. Dios le plantea una pregunta. Parce que Dieu va donner une question, va poser une question. Un trabajo. Un travail. Una encomienda. Un travail à faire. A Moisés. Un devoir à Moïse. Anda. Vas-y. Pero Moisés le dice, ¿quién soy yo? ¿Para qué? Mais Moïse lui dit, qui suis-je moi pour aquí que? Encontramos que Moisés se iba a tener una identidad de acuerdo a lo que él hiciera. Alors ici on trouve que Moïse allait avoir une identité selon ce qu'il allait faire. Y resulta ser que en el corazón de Moisés. Et il arrive que dans le cœur de Moïse. Commence à avoir un conflit. Porque él comienza a ver que esa responsabilidad que Dios le está dando. Parce qu'il se retrouve avec cette responsabilité que Dieu lui donne. Supera sus posibilidades. Qui vient être supérieur à ses possibilités. Tú y yo. Toi et moi. Estamos anclados en las sillas. On est assis sur les chaises. Estamos amarrados. On est attachés aux chaises. Estamos encadenados. On est enchaînés aux chaises. Estamos en prisiones. On est dans des prisons. Porque creemos. Parce qu'on croit. Que tú y yo. Que toi et moi. Lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Supera nuestras posibilidades. Va au-delà de nos possibilités. Nuestras capacidades. À nos capacités. Y vemos y on voit que el hombre siempre tiene la bendita maña, la bendita necesidad. Que l'homme a toujours cette mauvaise habitude, cette mauvaise, ce mauvais besoin. De saber quién es. De savoir qui il est. Bien claramente en su vida. De façon très claire dans sa vie. Para él poder hacer algo. Pour pouvoir lui faire quelque chose. Si yo soy ingeniero. Si je suis ingénieur. Yo hago de ingeniero. Alors je pratique l'ingénierie. Si yo soy pastor. Si je suis pasteur. Yo hago de pastor. Je pratique le pastorat. Si yo soy cristiano. Si je suis chrétien. Hago de cristiano. Je fais le chrétien. Pero podemos ver. Mais on peut voir. Que quienes somos. Que qui nous sommes. Basado en nuestras necesidades del alma, del hombre, mía personal. En se basant sur nos besoins de l'homme, de mon âme personnelle. Es la que me lleva siempre a interrogarme quién soy. C'est celle qui m'emmène toujours à me demander qui suis-je. Saben, hoy en día nos dicen. Vous savez, aujourd'hui on nous dit. Nos dicen que yo soy alguien. On nous dit que je suis quelqu'un. Pero quién soy yo? Mais qui suis-je moi? Porque cuando a mí me dicen que soy un cristiano. Parce que moi, quand on me dit que je suis un chrétien. Vivo conformándome. Je vis en me conformant. Con las migajas. Avec les restes, les miettes. Que caen de la mesa. Qui tombent de la table. Y me vivo conformando. Et je vis en me conformant. Con un planteamiento muy humano. Avec une approche très humaine. Fundamentado. Fondé. En la insuficiencia que tiene el ser humano. Dans l'insuffisance qu'a l'être humain. Fundamentado. En étant fondé. En el problema. Dans le problème. Que la palabra de la Biblia. Que la parole de la Bible. Nos muestra. Nous montre. Que eso se llama. Qui s'appelle. Pecado. Péché. Tú y yo no sabemos quiénes somos. Toi et moi, nous ne savons pas qui nous sommes. Porque realmente vivimos lejos de la presencia de Dios. Parce qu'on vit réellement loin de la présence ¿Saben? De Dieu. Vamos a seguir viendo la respuesta que Dios le da a Moisés. Et on va continuer à voir la réponse que Dieu donne à Moïse. Ante la negativa. Devant la négative. Porque Moisés se mantuvo firme, hermano. La négation, parce que Moïse s'est maintenu ferme. Era cabezón. Il était vraiment têtu. Él era templado, dijo no y no, yo no quiero ir y se le puso el Señor de pico y pala. Il no, était, no voy. Il était vraiment ferme, il a dit non, je veux pas y aller, non, j'y ne vais pas. No puedo cumplir esa misión. Je ne peux pas accomplir cette que mission. Que tú estás poniendo en mis manos. Que tu es en train de mettre entre mes mains. Y el Señor viene y le dice como para rematarlo. Et le Seigneur vient et lui dit pour en rajouter une couche. Moisésito. Mon petit Moïse. Bájate de esa nube. Redescends ton nuage. No te estoy enviando por quien tú eres. Je ne t'envoie pas pour qui toi tu es. Sino porque yo voy a estar contigo. Mais parce que moi je vais être avec toi. Te estoy enviando. Je t'envoie. Por lo que yo soy. Pour ce que moi je suis. Y el gran yo soy. Et le grand je suis. Estará contigo. Sera avec toi. Acompañándote. En train de t'accompagner. Para mostrar. Pour te montrer. La presencia de Dios. La présence de Dieu. A ese pueblo que estaba esclavizado. À ce peuple qui était esclave. En prisiones. Dans des prisons. Y puedan ver la presencia gloriosa de Dios. Et qu'ils puissent voir la présence glorieuse de ¿Saben? Dieu. Saben, vemos más adelante el nombre de yo soy. Et on voit plus en avant le nom de je suis. Y eso nos hace ver de qué manera determinó la vida y el impacto en Moisés. Et ça nous montre de quelle façon est-ce que ça a déterminé, ça a causé un impact dans la vie de Moïse. Que nos dijo. Qui nous dit. Y que se dio cuenta. Et qui s'est rendu compte. Ah, bueno, así pues sí.
Ah bah oui, alors comme Así ça oui. Sí voy. Comme ça oui, j'y vais. Si tú vas conmigo, si tu vas avec moi, vamos. On y va. Porque ya el hombre no se sentía solo. Parce que l'homme, il ne se sentait plus seul. Ya el hombre sabía quién era. L'homme savait qui il était. Era el instrumento que Dios había escogido. C'était l'instrument que Dieu avait choisi. Para que la presencia de Dios caminara con él. Pour que la présence de Dieu marche avec lui. Y podría mostrar al mundo. Et qu'il puisse montrer au monde. A la vista de todo el mundo. À la vue de tout le monde. Que Dios verdaderamente estaba determinado a hacer lo que tenía que hacer. Que Dieu était réellement déterminé à faire ce qu'il devait faire. No era con otra persona. Et c'était pas avec une autre personne. No es que Moisés le dijo, mira. Javier está mejor preparado que yo. C'est pas que Moïse est allé dire à Dieu non, je pense Javier il est mieux préparé que moi. Mira, en el pueblo mío hay mucha gente más experta. Non, mais tu sais, dans mon peuple il y a des personnes qui sont plus expertes. Yo ni siquiera conozco tú quién eres. Moi je ne sais même pas qui tu es. Yo no conozco de tu palabra. Moi je ne connais pas de ta parole. Pero el Señor le dijo, no te preocupes. Mais le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète yo pas. Voy a hablar a través de ti. Moi je vais parler à travers toi. Yo abriré la boca, es más, te voy a dar otra ayuda adicional. Je vais ouvrir ta bouche et même je vais te donner une aide supplémentaire. Vas a ir con tu hermano. Tu vas aller avec ton frère. Y él hablará por mí. Et il parlera pour moi. Y todo lo que yo dijere, él lo dirá. Et tout ce que je vais dire, il le dira. Aquí se trata. Ici, il s'agit, nos lleva a la conclusión, et ça nous emmène vers une conclusion, Moisés, que dans la vie de Moïse, tener convicción, avoir une conviction para esa aseveración que Dios le había dado, pour ce devoir que Dieu lui avait donné, yo soy el que soy, je suis qui je suis, lo llevó a un nivel, ça l'a emmené vers un niveau donde su vida comenzó a ser liberada, où sa vie a commencé à être libérée. Donde su vida fue comenzó a ser usada para liberar a otros. Où sa vie a commencé à être utilisée pour libérer les autres. ¿Saben esa dimensión nueva en que entra Moisés? Vous savez cette nouvelle dimension où entre Moïse? Comienza en las mañanas. Commence le matin. En una comunión íntima y personal con el Señor. Les matins, pardon, dans une communion dame, intime. Dame, hijo mío, tu corazón. Personnel, donne-moi, mon fils, ton cœur. Búscame temprano de mañana. Cherche-moi tôt le matin. No al mediodía, perdónenme. Pas à midi, et pardonnez-moi. No en la tarde. Pas l'après-midi. No solamente en la noche. Pas seulement le soir. Temprano, yo te buscaré. Moi, très tôt, je te chercherai. Así como David. Tout comme David. Antes que despuntaba el alba. Avant que l'aube puisse se montrer, tenemos que empezar a vencer. On doit commencer à vaincre. Tenemos que empezar a romper esas pequeñas cosas que nos mantienen atados. On doit commencer à rompre ces petites choses qui nous maintiennent attachés. Y es solamente así. Et il n'y a que comme ça. Viviremos en una nueva dimensión. Qu'on vivra dans une nouvelle dimension. ¿Saben saber quién soy? Vous savez savoir qui je suis. Es una pregunta que toda la humanidad a través del tiempo de la historia de la humanidad. C'est une question que toute l'humanité, vraiment à travers toute l'histoire de l'humanité, ha estado muy, muy, muy marcado. C'est une question qui a été très, très, très marquée. Recuérdense, ¿quién soy? Rappelez-vous, qui je suis? De dónde vengo? D'où est-ce que je viens? Y a dónde voy? Et où est-ce que je vais? ¿Saben? Esa pregunta nos la tienen trillada desde la filosofía, en las artes, en la cultura, en todos lados. Et vous savez, cette question, on la retrouve partout, dans la philosophie, dans les arts, la culture, les scientifiques, los teólogos, les théologues, siempre nos han enseñado, nous ont toujours enseigné a establecernos esa, à établir disyuntiva. Cette disjonctive. ¿Quién soy? Qui suis-je? ¿De dónde vengo? D'où est-ce que je viens? ¿A dónde voy? Où est-ce que je vais? Y hay muchos que han aprovechado esta faltante del ser humano. Et il y en a beaucoup qui ont profité vraiment de cette faille dans l'être humain. Que todo el mundo ha dicho lo que ha querido decir. Que tout le monde a dit maintenant ce qu'il a envie de dire. Nos han puesto la teoría de la evolución. On nous a donné la théorie d'évolution. La creacionista. La creacionista. Póngale el nombre que usted quiera. Et mettez-y le nom que vous voulez. Nos han dicho de todo, hermano. On nous a dit de tout. Que usted es un accidente del universo. Que vous êtes un accident de l'univers. Que usted viene de un mono. Que vous venez d'un singe. Que usted es esto, usted es aquello. Que vous êtes ceci, que vous êtes cela. Pero la realidad de Dios. Mais la réalité de Dieu. Es otra. Elle est différente. A medida que la ciencia va avanzando. Au fur et à mesure où la science avance. Irónicamente, todas estas teorías se están desvaneciendo, se están cayendo. Ironiquement, toutes ces théories, elles sont en train d'être tombées, elles sont en train de perdre leur validité. Están perdiendo fuerza. Elles perdent leur force. Están quedando atrás. Elles restent en arrière. No tienen argumentos. Elles n'ont pas d'arguments. No hay una sola respuesta convincente que haga que todo el mundo esté de acuerdo unánimemente. Il n'y a pas une réponse qui
vraiment puisse convaincre tout le monde afin qu'on ait tous une vérité commune. Y todo el mundo sí llegó a una sola respuesta. Et tout le monde est arrivé Como oui, no tiene la respuesta, à une seule réponse. Comme on n'a pas la réponse, la del eslabón perdido, hermano. La faute c'est celle de l'eslabon Alguien perdu. Alguien siempre tiene que pagar la culpa. Et quelqu'un doit toujours avoir Pregunto, la faute. Et je pose la question. Es que ahora podemos comenzar a entender, a vivir, a manifestar Est-ce que maintenant, la palabra ser. On peut commencer à vivre, à comprendre, à manifester le mot être. ¿Saben la palabra ser? Vous savez le mot être. Me acuerdo de aquel hombre, ser o no ser. Ça me rappelle cet homme, être ou ne pas être. Y el pobre andaba con una calavera en la mano. Et le pauvre, il avait une tête de mort dans la main, un el pobre crâne. Andaba confundido. Il était confus. ¿Saben? Dice que el significado de la palabra ser lo dijimos hace un rato. Alors, la signification du mot être, on l'a dit il y a quelque temps. El sujeto, lo que afirma de su atributo. Ce que le sujet affirme de notre attribut. Su naturaleza o su esencia. De sa nature ou d'une si essence. Tomamos en cuenta el primer concepto, si on prend en compte le premier concept, tendríamos que ubicarlo en el hecho definido que por ciertos tributos o cualidades en relación a nuestro carácter o estatus o profesión nosotros eso es lo que somos. Alors si on prend le premier concept, alors on devrait se placer dans le fait que nous sommes définis par certains attributs, par certaines qualités propres en relation avec notre caractère, notre statut ou notre profession. Soy abogado. Je suis avocat. Eso no define quién soy. Ça ne dit pas qui je suis. Soy el esposo de Zaira. Je suis l'époux de Zaira. Ese es mi estado civil. Ça c'est mon état civil. Eso no define quién soy. Ça ne définit pas qui je suis. Soy pastor. Je suis pasteur. Eso no define quién soy. Ça ne définit pas qui je Pero suis. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la esencia o la naturaleza. Mais si on le voit d'un point de vue de l'essence ou de la nature. Tendríamos que ubicarnos en algo que nos diferencie. On devrait se placer dans quelque chose qui nous différencie. De todos los rasgos generales. De tous les traits généraux. Que nos distinga. Qui nous distingue. De otras especies. Des autres espèces. Saben lo que yo soy. Vous savez ce que je suis. Me hace diferente a cualquier cosa que fue creada en el mundo. Me rend différent à n'importe quelle chose qui a été créée dans le monde. Saben en Génesis 11:27. Alors dans Genèse 11:27. Vamos a buscar lo que dice la Biblia. On va voir ce que nous dit la Bible. Donde podemos ver Et alors là on peut voir la creación del Señor. La création du Seigneur. Los comienzos. Les débuts. El principio. Le commencement. El fundamento. Le fondement. El momento máximo que el Señor tuvo. Le moment maximum que le Seigneur a eu. Y siempre tomando como fundamento obviamente la palabra. Et on prend toujours comme fondement la parole. No personas confundidas. Pas des personnes qui sont confuses. Que no saben quiénes son ni a dónde andan ni a dónde vienen ni a dónde van a parar. Qui ne savent pas qui elles sont, où est-ce qu'elles vont et où est-ce qu'elles vont finir. No personas que entran en un debate filosófico con un esqueleto en la mano o una calavera, ser o no ser. Pas des personnes qui rentrent dans des débats philosophiques avec une tête de mort dans la main. Sino buscar las respuestas. Mais vraiment chercher la réponse. Desde la Biblia. Depuis la Bible. Desde el inicio. Dès le commencement. Porque en el inicio. Parce qu'au commencement, vemos una segunda pista. On voit une deuxième piste. Dice en Génesis 11:27. Alors dans Genèse 11:27. Lo leo yo en español. Je le lis moi en espagnol. Y ustedes obviamente en francés en sus pantallas. Et vous l'avez en français sur vos écrans. Y creó Dios al hombre a su imagen. Et Dieu a créé l'homme en son image. Y a imagen de Dios lo creó. Et il a créé à l'image de Dieu. Varón y hembra los creó. Homme et femme, il les a créés. Quiere decir que el Señor. Ce qui veut dire que le Seigneur. Te ha creado. T'a créé. A imagen y semejanza de él. À son image et ressemblance. Ahora esto. Alors maintenant. Puede darnos la respuesta a la primera interrogante. Ça peut nous donner la réponse à la première question. ¿Quién soy yo? Qui suis-je? Familia, tenemos que empezar a entender que tú y yo somos creación de Dios. Famille, on doit commencer à comprendre que toi et moi nous sommes une création de Dieu. Hombre hecho a imagen de Dios. Un homme fait à l'image de Dieu. Hombre hecho desde el inicio con el mismo origen, con la misma esencia de Dios. Un homme fait depuis le commencement avec la même essence que Dieu. Lo puedes ver en Génesis 1:26, no lo busquemos por cuestión de tiempo. Et on peut le voir aussi dans Genèse 1:26 pour question de temps, on va pas nuestro origen, le lire. Vous savez notre origine. Es lo que define realmente quién soy. C'est ce qui définit réellement qui je suis. ¿Saben tú qué eres? Et tu sais toi qui tu es? ¿Quién eres? Qui tu es? El Señor lo define como algo bueno y agradable en gran manera.
Le Seigneur le définit comme quelque chose de beau et d'agréable en grande manière. Así que ahora, a tu primera pregunta, ¿quién soy? Alors maintenant, à ta première question de qui familia, je suis, si tú y yo somos cristianos, famille, si toi et moi on est chrétiens, si tu fundamento está en la palabra de Dios, si ton fondement est dans la parole de Dieu, tú y yo tenemos que mantenernos sujetos a la palabra de Dios. Toi et moi, nous devons nous maintenir soumis à la parole de Dieu. Y la palabra de Dios dice que tú y yo fuimos creación de Dios. Et si la parole de Dieu nous dit que toi et moi on a été une création de Dieu, criatura de Dios, une créature de Dieu, pero en el cual el Señor sopló aliento de vida, mais dans lequel le Seigneur a soufflé une haleine de vie, diferencia de todos los seres que él creó, à différence de tous les êtres qu'il a créés, a imagen y semejanza de Dios, à image et ressemblance de nuestro Dieu. Nuestro origen, notre origine, está en Dios, est en Dieu. Vivimos en él, on vient de lui, venimos de él, on vit en lui. Estamos en él. On est en lui. Somos imagen de él. On est son image. Y vamos a volver a él. Et on va aller vers lui. Quiere decir, ¿quién soy? Ça veut dire alors, qui est-ce que je suis? Qué fácil es la vida cristiana. Et regardez à quel point la vie chrétienne est facile. Hay esas tres incógnitas que el mundo se plantea. Ah, vraiment ces questions que le monde se pose. ¿Se acuerdan? Vous vous souvenez? Ay, ¿quién soy yo? Ah, mais je suis qui? ¿De dónde vengo? Je viens d'où? ¿Y a dónde voy? Et où est-ce que je vais? Soy hijo de Dios. Je suis fils soy de Dieu. Soy creación de Dios. Je suis création de Dieu. A imagen y semejanza de Dios. À image et ressemblance de Dieu. ¿De dónde vengo? D'où est-ce que je viens? Del mismo mero medio centro del corazón de Dios. Du vraiment le plein centre du cœur de Dieu. ¿Y hacia dónde voy? Et où est-ce que je vais? Hacia el mismo mero centro de la presencia de Dios en el paraíso. Vers le même centre de la présence de Dieu au paradis. Ya se nos acaba ese dolor de cabeza. Alors on en finit avec cette douleur de tête. Ya sabemos quiénes somos. On sait qui nous sommes. Ya sabemos de dónde venimos. On sait d'où est-ce qu'on vient. Ahora a dónde vamos. Et maintenant on sait où est-ce qu'on va. Ahora vamos a ver en la Biblia. Alors maintenant, on retrouve dans la Bible, passage en la Biblia, un passage dans la Bible, como les acabo de decir, comme je vous ai dit, que detalla con más precisión, qui détaille avec plus de précision somos. Qui nous sommes. Ya lo habíamos compartido. On l'avait partagé. De modo, ahora es que aquí donde cobra vida este versículo. Et maintenant, c'est là où prend la vie ce verset. De modo que si alguno está en Cristo, de mode que si quelqu'un est en Christ, nueva criatura es. Il est une nouvelle créature. De modo que si tú estás con el Señor, de modo que toi si tu es avec le Seigneur. Wow. 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 No, yo creo que ese es Corintios. Si no, non, je pense que c'est Corinthiens si je me trompe pas. Ayúdeme a buscar un momentico rapidito a ver. Aidez-moi à chercher un moment. Vamos a verlo rapidito. On va le chercher vite fait. Antes que esté confundiendo los versículos. Avant qu'on confonde les versets. Nueva Corintios. Alors, nueva c'est criatura. Dans nouvelle créature. Segunda de Corintios, ¿qué capítulo? Capítulo 5, versículo 10, perdón, me confundí. 17. 2 Corinthiens 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo. De modo que si quelqu'un est en Christ. Yo antes lo había confundido el versículo porque el versículo de anterior de Tesalonicenses es espíritu al mi cuerpo. Y j'avais confondu avec le verset de Thessaloniciens qui dit esprit à mes corps. Pero este versículo dice ahora que si alguno está en Cristo, mais ce verset nous dit que si quelqu'un est en Christ, nueva criatura es. Il est une nouvelle créature. Es. Il est. Quiere decir, ce qui veut dire, que yo soy, que je suis, quien debo de ser, qui dois-je être, si solo si, si et seulement si, estoy en Cristo, je suis en Christ. Si no soy en Cristo, si je ne suis pas en no Christ, soy nadie. Je ne suis personne. Soy uno más. Je ne suis del montón de la creación, je suis en plus dans la création, que está en el mundo perdido, qui est dans le monde perdu, buscando su identidad, en cherchant son identité, a ver de dónde viene y a dónde va, pour voir où est-ce qu'il va et d'où il vient. Pero tú y yo, mais toi et moi, nuestro espíritu, notre esprit, nuestra alma, notre âme, nuestro cuerpo, et notre corps, toda nuestra identidad, toute notre identité, todo lo que yo soy, tout ce que je suis, va a ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Va être gardé irrépréhensiblement jusqu'à la venue du Seigneur. Donc ça veut dire que tú y yo somos seres vivientes integrales, que toi et moi nous sommes des êtres vivants en intégralité, en semejanza de Dios, en ressemblance de Dieu, creados por él, créés par lui, con un espíritu que nos permite tener esa conciencia y comunión de su existencia, avec un esprit qui nous permet avoir conscience
présence, mais aussi une communion avec sa présence. La única manera que tú y yo podamos vivir consciente de eso. La seule façon pour que toi et moi on puisse vivre conscient avec cela. Es cuando tu cuerpo, tu alma y tu espíritu estén interconectados al Espíritu Santo. C'est quand ton corps, ton âme et ton esprit soient en connexion avec le Saint-Esprit. Solamente así vamos a tener una verdadera conciencia y comunión con nuestro Padre. Nuestro que estás en los cielos. Il n'y a que comme ça que nous aurons une véritable communion avec notre Père, así, toi qui es dans les cieux. Et il n'y a que comme ça nos va permitir pensar, qu'on pourra penser, sentir, qu'on pourra sentir, decidir, et qu'on pourra décider que podamos estar en un cuerpo que nos permita relacionarnos bien con el medio ambiente. Qu'on puisse être avec un corps qui nous permette de nous relationner bien avec l'environnement. Donde no hayan conflictos, où il n'y aura pas de conflits, donde no hayan problemas, où il n'y aura pas de problème, porque sea cual sea eso problema o esa circunstancia, parce que quels que soient ces problèmes et ces circonstances, Dios va a estar con nosotros. Dieu va être avec nous. ¿Se acuerdan lo que hemos compartido? Vous vous souvenez ce qu'on a partagé? Entre tú y yo, Dios. Entre toi et moi, Dieu. Pero para que esté Dios, mais pour que Dieu sus soit cualidades, là, ses qualités, sus atributos, ses attributs, su palabra, sa parole, su poder, son pouvoir, que nos define que somos suyos, qui définissent que nous sommes à lui, y que a la vez nos permite diferenciarnos de cualquier ser humano, et qui à la fois nous permette et nous différencie de n'importe quel être humain, inclusive de cualquier especie creada, et même de n'importe quelle espèce créée par lui-même van a caminar con nosotros. Vont marcher avec nous. Ahora sí, ese planteamiento et maintenant on continue avec nos cette approche va llegar a hacer entender qui va nous permettre d'arriver lo que decía Pablo. Ce que disait Paul. Somos cartas leídas. On est des cartes El mundo lues. Nos va a identificar. Le monde va nous identifier. Llegamos a la conclusión, entonces, alors on arrive à la grande que conclusion es Dios. De qui est Dieu non, de ah. qui non. Que, es Dios. Que c'est Dieu el que va a dar nuestra identidad, qui va donner notre identité, el que nos va a definir, qui va nous définir. Cuando tú salgas vestido, quand tu sortiras vêtu, revestido, revêtu, empoderado, vraiment avec la puissance de la palabra de Dios, de la parole de Dieu, solamente así las personas, il n'y a que comme ça que les personnes podrán llegar a definir. Pourront arriver à définir tu identidad verdadera en Cristo. Ton identité réelle en Christ. Donde nuestras palabras où nos mots sean coherentes, soient cohérents, donde las respuestas que demos, où les réponses qu'on va donner sean coherentes, soient cohérentes, donde nuestras acciones, où nos actions sean coherentes, soient cohérentes, a quienes somos, à qui nous sommes, en Cristo Jesús. En Christ Jésus. Y nosotros mismos et nous-mêmes comenzamos a ver, on commence à voir un panorama diferente, un panorama différent, una visión diferente, une vision différente para poder avanzar en el mundo. Pour pouvoir avancer dans le monde. ¿Saben, familia? Vous savez, famille, cuando yo empiezo a entender esto, quand je commence à comprendre cela, cuando yo comienzo a comprendre cela, cuando yo empiezo a entender esto, me gustó como lo dijo, j'ai bien aimé comme elle l'a dit, a saber, je vais savoir qué tengo que hacer. Qu'est-ce que je dois faire. ¿Saben, es común escuchar en el pueblo de Dios, et vous savez, c'est très commun d'écouter dans le peuple a de las Dieu personas decir, les gens dire es que ya yo he probado todo, Javier. Mais moi j'ai déjà tout goûté, Javier. Ya probé la risoterapia. J'ai testé la rir-thérapie. Para los peruanos, la papaterapia. Pour les péruviens, la patate-thérapie. Para los italianos, la pasta-terapia. Pour les italiens, la pasta-thérapie. Los 21 escalones del éxito. Les 20 31 escaliers vers le las succès. 31 patadas de la gloria. Les 31 coups de la gloire. Póngale el título que quiera. Et mettez-y le titre que vous voulez. He hecho muchas cosas, pastor. J'ai fait beaucoup de choses, pasteur. Y nada tiene resultado. Et rien n'a son résultat. Porque gira vos de furría. Parce que t'as beau faire plein de tours. Siempre que voy algo termino en lo mismo. À chaque fois que je commence quelque chose, je finis de la même façon. Pasamos nuestra vida malgastando nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro tiempo. On passe notre vie en utilisant mal notre temps, nos talents, nos ressources. Tratando de buscar el tan anhelado éxito. En essayant de chercher vraiment ce succès. Y viene. Et il arrive a manifestarse en nuestras vidas, à se manifester dans notre vie, Pablo, comme le dit Paul. Oye, queriendo ser lo bueno, termino embarrándola, termino haciendo lo malo. Franchement, en essayant de faire le bien, ben, je finis par faire le mal et à tout gâcher. Esto nos lleva a lo largo del camino a ser seres
frustrados. Et ça nous emmène tout au long du chemin à être en vez de vivir, des êtres frustrés. Et au lieu de vivre como seres creados de Dios, comme des êtres créés como sus hijos, de Dieu, comme ses enfants, semejantes en atributo, qui lui ressemblent en attributs, en experiencia, en expérience, en poder, en pouvoir, en amor, en amour, en sabiduría, en sagesse, en conocimiento, en connaissance, vamos caminando, on marche. Con un peso en la espalda, avec un poids sur le dos, con unas cadenas en el cuerpo, avec des chaînes dans le corps, que nos mantienen frustrados, qui nous maintiennent frustrés, cansados, fatigués, deprimidos, déprimés, atados, attachés, amarrados. Et attachés. ¿Y saben por qué sucede esto? Et vous savez pourquoi est-ce que cela arrive? Porque tú y yo no sabemos cómo hacerlo correcto. Parce que toi et moi on sait pas comment faire les choses correctement. En el tiempo correcto, dans le temps correct, y en el momento correcto, et dans le moment correct, no tenemos los resultados correctos. Alors on n'a pas les résultats corrects. Muchas veces hemos dicho nosotros. Beaucoup de fois on s'est dit. A veces hacemos cosas de Dios. Parfois on fait des choses de Dieu. Donde no es el momento para hacerlo. Où c'est tout simplement pas le moment de les faire. Porque Dios no está allí. Parce que Dieu n'est pas là. Y malgastamos nuestras vidas. Et du coup, on gâche nos vies. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Et donc ça, c'est ce qui est arrivé à Pierre. ¿Saben? El Pedro era un hombre sabio. Vous savez, Pierre, c'était un homme sage. Mira, cuando digo sabio, bon, attention, quand je dis sage. En su profesión. Dans sa profession. Él era un buen pescador. C'était un très bon pêcheur. Él sabía dónde lanzar las redes. Il savait toujours où lancer les filets. Él sabía que cuando el clima, el tiempo, la luna, la brisa, él sabía todo eso. Il savait quand le climat était bon, quand le vent, tout ça. La Biblia nos cuenta que Pedro salió un día a pescar. Et donc la Bible nous raconte qu'un jour Pierre est sorti pêcher. Y regresó con las manos vacías. Et donc il est rentré avec les mains vides. Tú y yo salimos a pescar. Toi et moi on sort pêcher. Y salimos con las manos vacías. Et on en revient avec les mains vides. Tú y yo nos presentamos en la mañana a pescar en la presencia de Dios. Toi et moi on se présente le matin pour pêcher dans la présence de Dieu. Y salimos con las manos vacías. Et on en ressort avec les mains vides. Tú y yo vamos donde el Señor. Toi et moi on va devant le Seigneur. Y venimos con las manos vacías. Et on vient avec les mains vides. Familia, y eso nos frustra. Et famille, ça nous frustre. Nos molesta. Ça nous énerve. Nos disgusta. Ça nous plaît pas. Y hace que cuando yo escuche ese pastor loco que dice que la vida cristiana es fácil. Et donc du coup, quand j'entends ce pasteur fou qui nous dit que la vie chrétienne elle est facile, me provoca sacar una bazooka y pegarle un tiro, man. J'ai envie de prendre une batte et vraiment. No, pas un bat, una bazooka. Un pistolet? No, una bazooka. Un bazooka, pardon. Un bazooka. Et lui tirer dessus. Yo siempre le digo a mi estimada Daniela, le puedo dar formación de francés si quiere. Et j'ai toujours à Daniela, je peux lui donner une formation de français si elle veut. Una bazooka y le pego el tiro a ese pastor. Un bazooka et je tire sur le pasteur. Así estaba Pedro. Et Pierre, il était cansado, comme ça, fatigué, trabajando, en train de travailler, siempre aplicando su experiencia, en essayant toujours d'appliquer son expérience, herramientas, ses outils, sus conocimientos, ses connaissances, pero, mais sin ningún resultado positivo en ese momento, sans aucun résultat positif à ce moment-là. Pero Dios quiso darle una lección tremenda a Pedro. Mais Dieu a voulu donner une leçon vraiment très grande à Pierre. Jesús se le acerca y le dice. Jésus s'approche de lui et lui dit. Le da instrucciones. Il lui donne des instructions. Le dice en la Biblia qué es lo que tiene que hacer. Il lui dit qu'est-ce qu'il doit faire dans la Bible. Lo vemos en Lucas 5 del 1 al 7. Ponlo, Javier, por favor. On le voit dans Luc 5 du 1 au 7. Léanlo ustedes. Et vous pouvez le lire. Dice. Il est écrit. De qué manera tenía que lanzar la red. De quelle façon il devait lancer le filet. Dónde la tenía que lanzar. Où est-ce qu'il devait le lancer. Y qué es lo que iba a ocurrir. Et qu'est-ce qui allait arriver. Es solamente así. Il n'y a que comme ça. Que Pedro logra una pesca extraordinariamente milagrosa. Que Pierre arrive à faire une pêche totalement miraculeuse. Y es solamente así como tú y yo. Il n'y a que comme ça que toi et moi. Solamente podemos comenzar a vivir. On peut commencer à vivre. Y a ver. Et à voir. Que la palabra de Dios. Que la parole de Dieu. Obedeciéndola. En l'obéissant. Acuérdense de aquel gigante de la desobediencia. Rappelez-vous, hein, le géant de la désobéissance. Ese hay que matarlo, hermano. C'est celui-là qu'il faut tuer, mes frères. Ese hay que hacer lo que hizo David. C'est là où il faut faire ce qu'a fait David. Agarrar su piedrita. En prenant sa petite pierre. Pero en el nombre del Dios Todopoderoso. Son petit caillou, mais au nom du Dieu Tout-Puissant. Al Dios de Israel, al Dios del Ejército. Au Dieu d'Israël, au Dieu des armées. Gling. Gling.
Porque con Dios nadie se metía. Parce qu'avec Dieu, personne ne peut essayer de le battre. Así es lo que tenemos que vivir tú y yo. Et c'est comme ça que toi et moi obedeciendo la palabra de Dios. En obéissant la parole de Dieu. Solamente así. Et il n'y a que comme ça. Vamos a comenzar a ver ese propósito de Dios manifestarse en nuestras vidas. Qu'on va voir le propos de Dieu se manifester dans nos ¿Saben? Vies. Saben, Dios tiene un plan contigo y conmigo. Tu sais, Dieu a un plan avec toi, avec estamos moi. Estamos en la agenda de Dios. On est dans l'agenda de Dieu. Tú y yo estamos unidos a Dios. Toi et moi, on est unis à Dieu. ¿Saben? Y lo único que el Señor le dijo, et vous savez, la seule chose que le Seigneur lui a cuando dit, se cumple, que tú empiezas a obedecer la palabra, et c'est là où s'accomplit ton obéissance à la parole, es lo que Jesús le dijo a Pedro. Alors c'est quand Jésus a dit à Pierre, boga mar adentro, va dans les profondeurs, echa dans les tus profondeurs, redes, et jette tes filets, métete en el corazón de Dios. Rentre dans le cœur de Dieu. El problema es que tú y yo nos hemos quedado en la superficialidad. Le problème c'est que toi et moi on est resté el dans la superficialité. Le problème c'est que toi et moi nous hemos quedado solamente con el alcanzar el éxito. On est seulement resté dans le fait de vouloir atteindre le succès. No solamente a nivel de la vida normal. Et pas seulement au niveau de la vie normale. Los universitarios, los trabajadores. Au niveau des universités, du travail. Los empresarios. Les entrepreneurs. Las parejas. Les couples. La familia. La famille. Sino también en la iglesia. Mais aussi dans l'église. Medimos el éxito de la iglesia conforme a la cantidad de gente que hay. On mesure le succès de l'église selon la quantité de personnes. O dependiendo los recursos que pongamos en práctica. Ou selon les ressources qu'on met en pratique. O cuánta ayuda podemos dar o no podemos dar a la gente. Ou combien d'aide on est capable de donner ou de ne pas donner aux Todo gens. Todo eso es pura vanidad. Et tout ça, c'est que de la vanité. Vivimos haciendo cosas para que nos permitan sentirnos bien. On vit des choses qui nous permettent de nous sentir bien. Y eso et ça hace que nos equivoquemos de blanco. C'est là où on se trompe alors de cible, de blanc. Hacia dónde lanzar. Où est-ce qu'on doit lancer. Hacia dónde apuntar. Où est-ce qu'on doit pointer. Acuérdense, prosigo la meta. Rappelez-vous, je dois suivre le but. Allá. Là-bas. Viendo. En regardant. Al fondo. Vers le fond. Hacia donde realmente voy a llegar. Là où je vais réellement arriver. ¿Se acuerdan mi utopía? Vous vous rappelez mon utopie. Mi reino eterno. Mon royaume éternel. Pero yo quiero saber. Mais moi je veux savoir. Si tú y yo. Si toi et moi. Para que podamos finalizar. Et pour qu'on puisse conclure. Vamos a vivir una vida. On va vivre une vie. Cuidado con lo que voy a decir. Attention avec ce que je vais dire. Interesada. Intéressée. Porque como en el BIMAT. Parce que comme dans le BIMA. Nosotros vamos a recibir nuestras recompensas. On va recevoir nos récompenses. ¿Verdad? Por las obras, Javier. Pour les œuvres, n'est-ce pas, Javier? Y cuando llame el pastor Javier va a tener que venir porque quiere recompensas. Alors quand on doit appeler le pasteur Javier, il va devoir venir parce qu'il veut des récompenses. Porque queremos que el Señor nos dé galardones allá arriba. Parce qu'on veut que le Seigneur bah, il nous donne nos récompenses là-haut. Pero el Señor no va a ver lo que tú haces. Mais le Seigneur ne va pas voir ce que tu fais. Sino realmente lo que tú eres. Mais ce que toi tu es réellement. Tu corazón. Ton cœur. Lo que el Señor ha podido imprimir en ti. Ce que le Seigneur a pu imprimer en toi. Lo que el Señor ha podido marcar en tu vida. Ce que le Seigneur a pu marquer dans ta vie. Tu interés y mi interés no deben ser los galardones. Ton intérêt, mon intérêt ne doivent pas être les sí, récompenses. Debemos construir arriba. Oui, on doit construire là-haut. Pero mi corazón. Mais mon cœur. Todo lo que hagamos. Tout ce qu'on fait. Lo tenemos que hacer. On doit le faire. Como para el Señor. Pour le Seigneur. Para agradar a nuestro Dios. Pour être agréable à notre Dieu. Y para que Dios pueda cumplir su propósito en mi vida. Et pour que Dieu puisse accomplir son propos dans ma vie. ¿Saben cuál es uno de los propósitos de Dios en nuestras vidas? Et vous savez quel est l'un des propos que Dieu a pour nos vies? Es uno de los propósitos que cumplió con Moisés. Et c'est un des propos qu'il a accompli avec Moïse. Él no le dijo a Moisés, anda, ve y libera. Il n'a pas dit à Moïse, vas-y, marche et libère. Y Moisés fue y liberó. Et Moïse a été, il a libéré. No, él le dijo, anda, ve y libera porque yo iré contigo. Et non, ce qu'il a dit à Moïse, c'est, vas-y, marche, libère, parce que je serai avec toi. Y así el mundo conocerá quién soy yo, el gran yo soy. Et comme ça, le monde connaîtra qui suis, qui je suis, moi, le grand je suis. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Et ça, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Que te muevas en su propósito. Que tu puisses marcher dans son propos. Pero que Dios esté contigo. Mais que Dieu soit toi avec en toi. En todo momento. À tout moment. En cada lugar. À chaque endroit. Con cada persona. Avec chaque personne. Entre las circunstancias y yo, Dios. Entre les circonstances et moi, Dieu. Porque solamente así podemos dar a conocer Dios. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire connaître Dieu. Porque si no en la Biblia. Parce que sinon dans la Bible. Que no es la mía.
qui n'est pas la mienne, estuviera escrito, il serait écrit el gran Moisés. Le grand Moïse. Pero yo veo en mi Biblia, mais moi, dans ma Bible, el je gran vois yo soy. Le grand je suis. Yo soy el que soy. Je suis celui yo qui soy est. Jehová. Je suis el l'éternel, eterno Dios, le Dieu el éternel, todopoderoso, Jéhovah, le el Tout-Puissant, celui qui t'accompagne, el que está contigo, celui qui est avec el que toi, va a ser de tu vida, celui qui va faire de ta vie, lleno de circunstancias, rempli de circonstances, llenas de conflictos, rempli de conflits, llenas de dudas, rempli de doutes, llenas de cadenas, rempli de chaînes, esa vida fácil, cette vie facile, porque yo romperé las cadenas, parce que je vais romper yo resolveré los conflictos, je vais résoudre les conflits, yo te cuidaré, je te garderai, que ni a diestra ni a siniestra, et à droite ou à gauche, todo lo que caiga, tout ce qui va te tomber, haga daño, je ne permettrai pas que ça te fasse du mal, porque tú vivirás, parce que tu vivras, bajo mi sombra, sous mon bajo aile, el poder de mi palabra, sous le pouvoir de familia, ma parole, qué maravilloso es nuestro Dios, et famille, qu'est-ce qu'il est merveilleux notre esa Dieu, esa es la vida cristiana fácil que yo quiero predicar, ça c'est la vie chrétienne facile que je veux prêcher. ¿Saben? Et vous savez, quiero dejarlo hoy hasta aquí. J'aimerais en finir là pour aujourd'hui. Y esto va a seguir. Et ça va continuer. Porque realmente, parce que réellement, tú y yo, toi et moi, tenemos que salir, on doit sortir, más que vencedores, plus que vainqueurs, de toda esta situación. De toutes ces situations. Tú y yo, toi et moi, tenemos que conseguir, on doit trouver, cada una de estas disciplinas liberadoras, chacune de ces disciplines libératrices, para que comencemos a ver, pour qu'on commence à voir, las señales, les signes, los prodigios, les prodiges, y la presencia de Dios, y la présence de Dieu, en nuestras vidas, dans nos vies. Que el Señor me los bendiga, hermano. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Les queremos mucho. On vous aime fort. Hoy hemos cambiado un poco el formato. Aujourd'hui, on a changé un peu le format. Espero que sea de su agrado. J'espère que ça vous plaira. Y espero que me den sus retornos por las vías y las redes sociales. Et j'attends vos retours via les réseaux sociaux. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Amen. Nos vemos el próximo domingo. On se voit dimanche Ciao. Prochain. Bye.